Salut les fous, bienvenue dans une vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une super petite maison à redstone. Voilà, du coup c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, la maison elle est hyper petite, mais par contre le système à redstone il est un tout petit peu plus grand quand même. Ouais. Donc moi perso je vais pas vous présenter le système à redstone parce que tout simplement je m'y connais pas trop en redstone. Moi je suis plus là pour vous présenter les fonctionnalités de cette maison. En tout cas déjà la décoration je la trouve très très cool. Elle est plutôt simple et ouais moi j'aime bien en tout cas. Donc maintenant vous allez vous poser cette question mais c'est pas où courant entre elle et où l'entrée. C'est normal que vous vous posez cette question parce que l'entrée en fait elle est hyper cachée. Il suffit d'aller sur ce bloc ici et appuyer sur ce petit bouton. Et voilà. Vous êtes dans votre maison, monsieur. Voilà. Oula. D'accord. Maintenant, je vous ai déjà montré un système à redstone. Enfin, c'est pas vraiment un système. C'est un truc tout pourri. En fait, c'est juste un distributeur avec une plaque de pression dessus. Et quand vous avez faim, voilà, vous passez dessus. Ça vous donne un petit cookie. C'est un peu nul, mais... Mais c'est plutôt cool, c'est utile quand vous avez faim quoi, voilà. Donc on va commencer par le premier truc que je vais vous montrer, c'est ici. Donc quand on appuie sur ce bouton, vous allez voir que il y a une armure stone qui vient et qui saute comme ça avec du stuff en diamant. Après vous pouvez prendre le stuff en diamant bien sûr et rappuyer sur le bouton pour que l'armure stone se rebarre. C'est trop marrant parce qu'elle saute comme ça et elle part je sais pas trop où, mais c'est plutôt stylé quand même, j'aime bien. Juste à côté de ça, on a un petit endroit pour se poser à côté des plantes, au KLM. Voilà, après ici on a un petit lit avec un coffre du néant. C'est rien de spécial quoi, il n'y a pas de truc à redstone là-dessus. Ici, ça c'est plutôt cool quand même pour, par exemple, là vous vous dites, mais il n'y a pas de table de crafting. C'est pour essayer si je veux me faire une pioche en diamant par exemple. Voilà, je cherche des bâtons, ça s'écrit pas comme ça. Bâton, voilà, ça s'écrit comme ça. Une, deux. Du diamant. 1, 2, 3. Voilà. On fait une petite simulation. Voilà. Oh purée, il n'y a pas de table de crafting. Hein. Moi, j'ai envie de faire une pioche en diamant. C'est pourri. Hein. Attends, mais si j'appuie sur ce bouton, ça fait quoi? J'ai jamais encore testé. Oh, voilà. C'est fini la simulation. Donc, c'est super cool. Je trouve ça vraiment cool. J'ai dit deux fois cool, désolé. Voilà, et maintenant on peut bien faire au KLM notre petite pioche, pardon, en diamant. Et voilà, quand on a fini, on a juste à appuyer sur ce bouton pour que la table de crafting se barre. Et voilà, il y a des petits bugs des fois avec les shaders, je sais pas, c'est bizarre chez moi. Ça faisait aussi comme ça avec, enfin, à la première présentation de la maison à redstone. Genre les blocs, en fait, on voit pas en fait qu'ils s'enlèvent. La texture, elle est toujours là. Mais enfin, c'est vraiment chelou. Je comprends pas mes shaders. Voilà, du coup, c'est tout pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? On a présenté ces petits boutons. Mais en fait, le seul truc que je sais pas, c'est que je sais pas comment on ressort en fait. À part en cassant, voilà, on est dehors. Mais c'est pas trop ça qu'on veut en fait. Parce que moi, perso, je casse pas ma porte pour sortir de ma maison. Non, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'on peut sortir dans une autre pièce qui est juste en bas. Donc, maintenant, on va passer aux fourneaux qui sont juste ici. Donc, les fourneaux. Bah on va prendre, on va de nouveau faire une simulation, voilà, comme ça vous comprenez bien. Oh, j'ai envie de... non, non, je vais arrêter les simulations, c'est plutôt what the fuck. Donc on va prendre 64 minerais de fer, 64 minerais de diamants, pas de coffres, de diamants, tac. On va les placer dans les coffres, voilà, tac, on a envie d'avoir un petit peu de fer et un petit peu de diamants, voilà. Donc on attend, et là vous allez voir que... Les trucs de diamants, ils partent tout seuls en fait. Ils viennent même pas ici. Ils partent direct dans un système. Je sais pas trop comment ça marche leur truc, mais normalement on va voir passer un diamant, je crois. Non. Non. Ok. Bon, c'est pas grave. Ouais, y a tout un système et tout qui fait que les diamants se mettent avec les diamants. Et le fer avec le fer. En fait, il y a un système qui... comment on dit ce mot? Purée, j'ai une perte de mémoire. Qui se trie, voilà. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai oublié ce mot? Voilà, qui se trie. Donc, dans des coffres et tout. Vous allez voir ça après dans la prochaine pièce. Enfin, maintenant, puisqu'on va y aller. Donc, pour la prochaine pièce, on se met ici sur ce bloc. Et on appuie sur ce bouton. Tac. Et voilà. Non, on avance un peu. Et voilà. Maintenant, on atterrit dans une...
nouvelle pièce dans le sous-sol de notre maison. On va commencer par le truc que je vais pas vraiment vous montrer comment ça marche, parce qu'en fait c'est un truc de potion, mais en fait je m'y connais pas tellement en fait en potion, j'ai un peu trop de foi en fait, désolé en fait. Voilà, du coup c'est des potions, je vais pas vous montrer comment ça marche, vous pourrez faire vous-même, de toute façon il y aura la map à téléchargement, en téléchargement dans la description de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, hein, sinon ça servira à rien que je présente cette map si jamais pas en téléchargement. What, c'est quoi ça? Ah, non, hein? C'est pas par là qu'on est venu. Ok, bon bref, on passe. Donc, après, juste à côté du truc à potion, on a... comment on peut appeler ça? C'est genre un système automatique à melon. Enfin, pas à melon, ça c'est en anglais et en allemand. À pastèque et à citrouille. Donc, on va tester ça. Là, il y a déjà 44 pastèques. On va regarder ce stack. Donc, on va chercher des pastèques. Un bloc, bien sûr. Parce que, oula, non. Ok, voilà. Parce que, regardez, là, il y a une pousse de pastèques. Et à chaque fois qu'il y a une pastèque qui pousse, voilà, on va faire une petite simulation, voilà, tac. Et voilà, normalement, ça arrive là-dedans, mais ça marche pas tellement bien. Est-ce qu'il y en avait 44 avant? Je crois qu'il y en a juste un qui allait là-dedans. Bizarre. Ok, carrément chez moi, c'est sympa. 49, donc vous voyez, ça marche quand même bien, mais ça bug un peu quand même. Voilà, c'est pas très au top, parce que, voilà, Les pistons, ils arrivent pas tellement bien à viser. Et là, c'est les citrouilles. Les citrouilles, tac, on prend des citrouilles. On en pose une. Ok. Stack de 34. Ouais, ça marche pas tellement bien leur système, mais... c'est quand même original. Voilà, 35, vous avez vu. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est bon, ça... ouais, ça, j'ai dit que je voulais pas présenter puisque je m'y connaissais pas. Ça, c'est une machine, en fait, qui fait du cacao, en fait. Donc, ici, on peut voir les fèves de cacao. Tac. On clique droit sur ce levier et maintenant, on a juste à faire clic droit ici. Et ça va nous faire spawner tout plein de... on va juste arrêter parce que ça me fait un peu laguer. Et ça nous fait spawner en fait tout plein de fèves de cacao. Enfin, ça nous les duplique. Enfin, voilà, ça met des fèves de cacao dans ce coffre. Voilà, du coup, après, il y a la salle des coffres. Il suffit de faire clic droit sur ce levier pour l'activer. Et maintenant, il y a tout un gros mur qui s'ouvre avec tous les coffres. Et c'est là-dedans que normalement, il y a, voilà, nos lingots. Voilà, ils sont là-dedans. Tous nos lingots de diamants, de fer et d'or. D'or, on n'avait pas mis. Mais je pense qu'ils étaient déjà là-dedans avant quand j'ai téléchargé la map. Voilà, et après, vous faites un nouveau clic droit là-dessus pour que ça se referme. Et ici, c'est genre une petite porte de garage des familles pour sortir votre petite voiture, voilà. Mais c'est vraiment stylé, cette maison. Je la kiffe vraiment. Tac, pour refermer. Et maintenant, ça, je sais pas ce que c'est. On va découvrir ensemble. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'on sort en fait de la maison. Ok. Voilà, du coup j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, bien sûr la maison est dans la description de la vidéo en téléchargement. Et si cette vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Zenak. Ciao.